Mendoza avait été assassiné par le régime de Paul Biya. Soi-disant qu'il avait été transporté dans l'ambulance de la présidence et ensuite il en est mort. Donc elle a une raison émotionnelle pour justifier sa position aujourd'hui. Et je respecte cette position. Parce qu'en fait, la position de Marlène Mbutu est la même que j'ai lorsque j'entre dans ce combat en 2018. Je vous ai déjà dit ici que je sais, je suis convaincue, je sais que mon papa a été assassiné par Alain Mbe Ngoro. Je le sais. Mon père est mort dans un accident de circulation, écrasé par un camion. Jules Koumkoum, le journaliste qui a fait des révélations sur Mbe Ngoro, est mort dans un accident de circulation, écrasé par un camion. Donc, Mbe Ngoro avait ce modus operandi où il se débarrassait de tout ce qui était embarrassant pour lui en faisant intervenir justement les camions du ministère de la Défense qu'il utilisait comme ses armes personnelles pour tuer, éliminer, écarter tout ce qui était gênant et embarrassant autour de lui. Et mon papa, mon feu papa, était embarrassant à plus d'un titre pour Mbe Ngoro. Il était embarrassant parce qu'il était Bamileke. Il était embarrassant parce qu'il était le seul qui osait tenir tête à Mbe Ngoro. Et d'ailleurs, une semaine avant sa mort, mon papa a humilié Mbe Ngoro alors qu'il était ministre de la Défense devant toute sa garde. Et vous vous rappelez comment Mbe Ngoro, quand il partait au bureau, ça, ce n'est pas intéressant. Doté de domination. En effet, elle dit aux Camerounais que les boulous sont faits pour dominer sur le reste des 220 000. Attendez. J'aimerais écouter. Mon ami. Mbutu, viens écouter ce qui t'attend à la base. Mon ennemi est mon ami. Donc, je la laisse faire ce qu'elle fait dans son domaine, dans son coin. Et je ne m'en mêle pas. Point barre. Je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas. Elle est en train de faire son boulot à son niveau. Elle a des raisons personnelles pour le faire. On peut lui reprocher certaines choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce qu'elle sait que s'il fallait un débat public et politique, je la prendrais matin, midi, soir, de jour comme de nuit, à toutes les sauces, en anglais, en français, peut-être même aussi en espagnol, pendant que nous y sommes, sans rougir, sans frémir. Et je suis sûre de mes capacités intellectuelles, politiques, sportives, physiques. Ah, vous te prépare, toi. Pour tenir un débat de longue haleine avec tout intervenant de la communauté sociopolitique camerounaise. D'ailleurs, à votre rappel, Monsieur Patrick Rifoué et Monsieur Yves Abama ont fui, je dis bien fui, de nombreux débats avec moi. D'ailleurs, je vous le rappelle, nos docteurs, parce qu'ils ont des titres ronflants au Cameroun et ronronnants, le docteur Simon du RDPC, je l'ai ridiculisé et je l'ai remise à sa place propre, au point où elle en est tombée dans l'insulte. Donc, en ce qui concerne les débats politiques, croyez-moi, je suis assez outillée pour m'opposer à qui que ce soit sur le plan médiatico-politique au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que je ne sors pas des formules ronflantes en français.
Je suis aujourd'hui d'expression anglaise. Ça fait 17 ans que je vis en Angleterre. Donc, le français n'est plus ma première langue. Donc, qui que ce soit qui veut m'affronter, qu'il vienne en anglais et on va débattre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, je parlais comme ça de ces... Je n'ai même pas eu le temps de partager. Hein. Vous allez m'excuser. D'habitude, je fais un petit partage avant de commencer mes lives. Mais là, je suis partie sur des tambours roulants pour un sujet assez passionnant et qui défraye la chronique en ce moment dans l'espace médiatique camerounais, que ce soit dans les réseaux sociaux ou alors dans la... l'espace médiatique traditionnel que sont les chaînes de télévision et les chaînes de radio au Cameroun en ce moment. Donc vous allez m'en savoir gré, hein, vous allez m'excuser pour cela. Ah. Maintenant, comme le sujet de notre live le dit, nous allons parler de ce bal des girouettes qui commence. Parce qu'il est en train de commencer le bal des girouettes. Elle ne peut pas être du côté de la basse. Je vous fais seulement écouter ce qui attend Marlène et Mvoutou à la basse. L'horizon 2025. Le combat sera rude là-bas. À l'horizon Cameroun, ça veut dire que le mandat présidentiel de M. Paul Biya est en train d'atteindre sa fin. Et à cet effet, vous voyez de nombreux mouvements, des personnalités ou des personnages qui, ma foi, font l'actualité politico-sociaux et médiatique au Cameroun. Nous avons vu Marlène Mvoutou, qui évidemment s'était présentée à nous comme une suprémaciste boulou. Les vidéos sont là pour le prouver, je n'ai pas besoin de les rejouer. Ouais, ouais. Marlène Mvoutou nous avait dit qu'elle croit en la suprématie de la tribu boulou. La suprématie, ça veut dire quoi? Ça renvoie à ce que Hitler faisait autant dans les années 1940 de la Deuxième Guerre mondiale, où il voulait exterminer toutes les autres races et il disait que la race aryenne est la race suprême. Alors lorsque Marlène Mvoutou déclare qu'elle est suprémaciste boulou, en effet, elle veut nous dire que toutes les autres races, toutes les autres tribus au Cameroun sont soumises à l'hégémonie boulou. Elle croit qu'aucun Camerounais ne peut atteindre les boulous. Elle croit que les boulous sont les êtres suprêmes, qui sont dotés d'intelligence, qui sont dotés de force, qui sont dotés de domination. En effet, elle dit aux Camerounais que les boulous sont faits pour dominer sur le reste des 220 tribus camerounaises. Elle l'a dit et les vidéos existent pour le prouver. De voir donc cette Marlène Mvoutou qui aujourd'hui est adoubée par les non-boulous, ça il faut le préciser aussi. Parce que lorsque Marlène Mvoutou fait la une de Facebook, ce ne sont pas les boulous forcément qui la soutiennent. Mais ce sont ces autres tribus qui se sont vues longtemps écrasées et qui voient en elle une lueur d'espoir pour justement exister sur le champ politico-social au Cameroun. Ça, c'est très important de le dire. C'est même hyper important de le préciser. D'ailleurs, il y a une femme quelconque de la toile qui se fait appeler Stella Amougou qui a surnommé Marlène Mvoutou la nouvelle blogueuse des Bamileke. Pour vous dire à quel point quelqu'un qui s'est défini comme suprémaciste boulou se fait aujourd'hui appeler l'hégémonie, l'égérie des Bamileke. Pour vous dire que eux-mêmes savent que les soutiens de Marlène Mvoutou ne viennent pas de la communauté boulou. Les soutiens de Marlène Mvoutou ne viennent pas de la communauté et quand ils le savent et ils le disent, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'ai aucun problème avec cette dernière et que ce qu'elle fait va dans le sens de mon combat, dans le sens de ce que je dénonce depuis des années. Vous avez vu des lives où j'ai taxé Mme Chantal Biya de femme indigne, d'une mère incapable, d'une mère qui laisse sa fille sombrer. Toi-même, tes enfants ont été enlevés. Toi-même, tes enfants sont allés à la basse et ton mari t'a abandonné. Toi, Sandy de Boston. Ton mari t'a chassé à cause de ce combat et il a récupéré les enfants.
commandé. On connaît ton histoire. Toutes les mères donc ferme-la. Qui sont emprisonnées dans les hôpitaux, incapables de payer les soins d'accouchement. Je le dis, pas que moi, mes camarades de lutte le disent depuis de longues années. Donc, d'anciens marraines et Vautou, aujourd'hui, oublie son idée de suprématie boulou et se rappelle que Chantal Biya est une des sources du malheur de notre pays. Eh bien, qu'il en soit ainsi, carpe diem. Je suis preneuse de tout ce qui va dans le sens de mon combat. Je suis preneuse de tout ce qui met de l'emphase sur mon discours. Je suis preneuse de tout ce qui met à découvert ce que je dénonce, moi et mes camarades de lutte, depuis de longues années. Où nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. On nous a traités de haineux, on nous a traités de jaloux, on nous a traités de tout. Mais voilà qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le sérail fait pire que ce que nous avons fait. Ça, elle fait pire, vraiment. Alors, Mojan, Marlène, Wame Noué, maintenant. Ah, maman. Ngama, il est ma kobo. Ah, ça va. Mais il a bouillé, mené. 4. Ngama, il ne ma douanewa. Aïe. Les menaces de ça. Non seulement mes lits de bâton, ne vous jam. Mes lits de bâton, ne vous jam. Depuis au moins 10 ans. Ou alors 2018, depuis au moins 6 ans. Mes lits de bâton, partagez-moi ça. C'est très important. Ma lits de bâton, vous malheur dit qu'on va te taper. Ma tout le monde est seul. Ma n'y est en depuis 17 ans. Ndadia. Ton jomé se bat, jomé se bat l'été à yen. Jomé se mia bob réseau. Bon, faut se mettre à yen. Attention. Wamien, wayem, bide bon 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 wayem, wayem, mon goulijan. Wayem, mon goulijan. Anana, un pétan. Mama kobo. Mon nom gonne fond, y'a zo et tel et yanko le fond. Au fond, me sort, Mendoza zou. Mama Kobo, ce n'est pas les affaires qu'on dit. Mene e wolo minga me tel et tel, ce n'est pas les affaires qu'on dit. Mene wolo minga, ma jeune mene wolo. Aïe, a vous moyen et dit. Eh bien, bonne bénin. Bonne. Je raconte n'importe quoi là. Hein? Bonne bénin, fort balanin. Bonne bénin. Ah, pour moi, y'en est dit. Ah, ne me tele, tele. Eh bien, y'a bonne bénin. Eh, vous, tu y'ou cherches, y'ou trouves. Ah, bonne bénin, t'es bonne bénin. Bani, amandani. Donc, y'a des combats qui n'en valent pas la peine, les gars. Surtout qu'aujourd'hui, en tant que général des Amazones de la base, je ne peux plus aller me mettre dans la toile et parler au Stella Mugu. Aleza. Je laisse ça à Marlène. Hein. Voilà, ce sont ses combats. Stella Mugu m'a provoqué plusieurs fois. Vous-même, vous m'avez dit que Sandy ne répond pas, elle ne te vaut pas. Donc, ma voix, comme avec Stella. Regardez le machin qui dit que ça, Stella ne la vaut pas. Regardez-moi une sale femme. Oh, que va finir pour lui?
Owonga soutenir Paul Biya. Owonga soutenir Amou Wajona wa soutenir Paul Biya. Wajona non vise Paul Biya. Veda Wajona ay anokolo. Banga folo. Donc, mbolo pa folo. Ma bok Jona wa. Veda Ota Benchel. Mama. O bof fuk. Mba fuk. Mama. O bombe fuk. Iyon we Jona was a tebe. O soba Maurice Kamto. We yene Jomo balone na zili. Asaba. We yene zili. Amu Jomo batune ma kule ma be ma min jong se ne rien. Se ne rien. Fianga ne biyon. Yam bia kobe di. Binga koba joya bu 2025. Camerounais et Yann Tchéné. On parle déjà de 2025. Dans la rigolade qu'on faisait avant, là, c'est terminé. 2025 qui arrive là. Et c'est ce que je suis en train de dire à Malène et Boutou. Tant qu'elle ne se met pas sur le chemin de Maurice Kamto, je ne la gère pas. Et je ne la combats pas. Je ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je ne m'immisce pas dans ce qu'elle fait. Tant qu'elle ne se mêle pas sur le chemin de Maurice Kamto. Le jour où elle va commettre l'erreur de tenter de se mettre sur le chemin de Maurice Kamto. Moi, Sandy de Boston, moi, je vais lui montrer que tous les gens qui la soutiennent étaient derrière moi depuis 2018. Moi, je suis Sandy de Boston. Tu combats 40 victoires dans Facebook. Même avec mon sang calé sur dans Facebook, je suis debout, sans être debouté. Donc, il n'y a rien que quelqu'un peut dire ou faire qui va me débouter. Parce qu'avant de commencer, j'enlève d'abord moi-même. Ce n'est pas les affaires qu'on m'a dit qu'on avait vu ça en son sang qu'elles sont. Avant de parler, moi-même, je vais d'abord enlever un wakap. J'enlève et puis on commence le combat. Ah, c'est un beau moment. Donc, Malène et Voutou, comme tu es l'ami de Pas Sabo, arrange-toi à ne jamais te mettre sur le chemin de Maurice Kamto. Je répète, arrange-toi à ne jamais te mettre sur le chemin de Maurice Kamto. Le jour où tu commets l'erreur de te mettre sur le chemin de Maurice Kamto, tu vas voir les voirages. Moi, Sandy de Boston, j'ai affronté. Tu comprends, non? J'ai affronté. Et je suis là. Les comment il s'appelait même encore? Celui qui avait essayé d'humilier le président avec l'affaire SCSI. Comment il s'appelait? Mon feu papa là. Penda et Kokao. Ngo wa mieno wa yema joya be Penda et Koka. Sili, on a... Mendoza ne... Mon ongo ne fond. Mendoza ne mon ongo ne fond. Anema. Dongo wa yema joya be Mendoza. Que le silen qu'on le fond. Un jomme penda et Koka. Ane un colophon. Et bon, quand on a un ma, mon gâteau, me soutenir un soisout, un soilant, un Facebook. Me soutenir un soilant, un Facebook. Pour te dire, ce que je suis en train de dire à Malène et Boutou, hein, en langue boulou, c'est très simple. Qu'elle mène son combat, je ne m'en mêle pas, je ne m'intéresse pas. Tant que ça va dans les intérêts de mon combat, moi, tant mieux. Le jour où elle commet l'erreur. Parce que nous, on les connaît, ces girouettes-là. Ces gens qui font semblant de combattre le régime parce qu'ils veulent une place au soleil, parce qu'ils veulent qu'on les appelle. Les gens de Dieu, les momos, on les connaît. Les Célestins Bessigui, les gens qui ont fait semblant de combattre le président et usurpateur Paul Biya pour se faire une place au soleil. On les connaît. Et à l'approche des élections, ils se multiplient. Ces girouettes-là. Pour élever les enchères, ils se mettent à insulter le régime afin qu'on les appelle à la mangeoire. Nous, on les connaît. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas de raison de penser que Marlène Mvoutou est de cette race-là parce qu'elle nous a donné une raison qui me semble logique pour sa colère, pour sa révolte. Elle a dit qu'elle est convaincue que ce régime a tué son père. Et ça, je suis sensible à ça
Parce que moi-même, je suis virulente dans cette lutte. Je dis bien que je suis virulente. Parce que je suis convaincue que me Bongo a tué mon père. Depuis que tu es virulente, ça t'a même donné quoi? Donc, La folle. Tant qu'elle ne se met pas sur le chemin de mon leader, tant qu'elle ne fait pas obstruction à mon leader, tant qu'elle ne détourne pas l'électorat de mon leader, j'ai rien à cirer hein, de tout ce qu'elle fait. Mais le jour où elle va commettre l'erreur, j'ai dit bien le jour où elle va perdre sa route et s'attaquer à mon leader. Ce qu'on appelle le compresseur. Maman. Oui, parce que tout ce qu'il attaque là et tout ça, c'est des petits oiseaux. Elle peut faire une bouchée d'eux. C'est des gens qui n'ont pas de consistance intellectuelle. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de. Voilà, qui n'ont pas de pesanteur. Mais lorsqu'elle va tomber sur quelqu'un qui a de l'étoffe, elle va savoir que ce n'est pas pour rien que beaucoup n'a pas S à la fin. Maman, donc, beaucoup n'a pas S à la fin. En termes très polis, qu'elle s'éloigne de mon leader. Qu'elle ne fasse pas obstruction à mon leader. Asamba. Qu'elle ne se mêle pas. Parce que c'est ce jour-là que vous allez comprendre. Et moi, je suis multidimensionnelle. Je suis à la fois dans la communication et je suis sur le terrain. Je l'ai entendu promettre la mort à certaines personnes, qu'elle va poignarder, qu'elle a fait la prison avec les Bangando et tout ça. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire la prison. Ma réponse pour j'ai nous. Je n'ai pas eu besoin de faire la prison. J'ai fait la réplique pour nous. J'ai vécu toute ma vie dans les quartiers les plus difficiles de Douala. Lave-moi là. J'ai passé toute ma vie dans les quartiers les plus durs de Douala. Oui, quand on parle des solos. Vous connaissez qui était Essono? Oui, j'avais entendu parler. Pour ceux qui connaissent le Cameroun à l'époque, j'étais en haut au lycée d'Akwa, j'étais une toute petite fille. Essono, le grand bandit, le bandit de grand chemin qui opérait à Douala. C'était No Boys. Oui, 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 c'était No Boys. Moi, je marchais sur les rails. C'est-à-dire, quand vous quittez le lycée, pour ceux qui connaissent bien Douala, hein, parce que ma Malène et vous tous, c'est une fille de bourgeois. Elle dit qu'elle a grandi chez Mendoza, donc elle a grandi dans les quartiers riches. Et aujourd'hui, elle insulte les pauvres, quoi. Comme Chantal Biya, elle dit que quand on a grandi au quartier, oui, le quartier s'affiche toujours. Ça, bon, je m'en fous de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va lui dire. Mais je vais lui dire qu'elle n'a pas le monopole de la sauvagerie. Parce qu'elle, elle a seulement fréquenté temporairement les boys en prison. J'ai dit bien temporairement les boys en prison, c'est-à-dire que les gars qui l'a gnassé en prison là et tout ça. Hein? Mais moi, hein? Les gars qui l'a gnassé en prison. Bepanda Omnisport. Je suis née idée. J'ai grandi à Bepanda Omnisport. Yeah. J'ai continué à PK14 zone industrielle à la CCC zone industrielle. Je suis partie de là PK14. J'ai grandi entre les mains des bandits. C'est-à-dire que les bangando, les boys là. Nous, on tapait les commentaires, on pelait Makala ensemble. C'est-à-dire que quand les gars venaient avec leur gay là qui voulait tout ça, j'étais là. Je ne fumais pas, mais je respirais ça. Je suis fille du dehors. Je suis fille des gars, des boys. Quand il fallait une cham, j'étais dans la cham, la première. C'est-à-dire que ce n'est pas les affaires qu'on dit. Aller à PK14, demander si on connaît Sandy. J'ai mené les combats. Je dis bien les combats de rue. Les combats de rue. Quand je bagarrais, c'est tout le quartier qui sortait. Je suis une petite femme, 1m65. Mais quand je livrais la bagarre, c'est tout le quartier qui était dehors parce que je ne faisais pas de cadeaux. Et jusqu'aujourd'hui, vous me voyez dans le combat. Quand je sors, c'est que ça va saigner. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Ça va saigner. J'ai le Hemlet, j'ai le cœur de ça. Asamba. J'ai le Hemlet. Regardez mon bras, hein. Regardez ça. Hein. Ok. Montre le bras là. Ça m'a mis les dents. Uh-huh. Elle m'a mis les dents jusqu'à arracher ma chair. Moi-même, j'ai vu. Ah bon? Je lui avais mis le dama comme ça. La fille a mordu mon bras. J'ai mis le dama à une géante fille, 1m75, Bassa. J'ai mis le cori comme ça. La fille a mordu mon bras. Au revoir.
Voilà. Donc, écoutez, tu as déjà écrit une fois, moi, deux je marche fois. avec Allez, mes armes. tu dégages. Je ne marche avec rien. Mais j'ai Voilà. un cœur. C'est-à-dire que j'ai le hâte. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Donc, Marlène et vous tous, range-toi très loin de mon leader. Et toi et moi, on n'aura jamais de soucis. Très, très loin. Le jour où tu commets l'erreur, I talk for you, eh? I talk say, tell me if you make error. For si kate, it's a cross time. Retouch my leader. Mama. I will mash on you. Like in jamba, jamba. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. J'ai fait le bail en Selam, j'avais 16 ans. J'attrapais les sacs de manioc sur le camion. Je luttais avec les grands, mais avec les mollets rassis, comme pour Kengo de froid. Je luttais avec les mamans qui sont dans le bayam depuis au moins 30 ans. Tisa ne m'aime même plus. Attendez. Donc, ça, c'était pour ma cousine. Pas. Ne dis plus jamais qu'elle a mis les gens au travail RDPC. Parce que nous, on l'a déjà chassé. Nous, on lui a dit de venir, de vous retrouver là-bas. Donc, rien que le fait que tu cites le RDPC dans ta mère, tu es bloqué. Tu sais qu'ici, là, ça ne rigole pas. Au revoir. Voilà. Nous, on a dit, on vous la donne cadeau. Moi, je montre seulement cette vidéo pour qu'elle sache ce qui l'attend. Parce que quand tu cherches trop, tu trouves. Allez. Donc, il fallait que je le bloque pour qu'on continue. Alliance est très éloignée, Marlène. Pour lui dire que vraiment, bonjour, dire bon danger. Ce que tu fais, je suis derrière, j'observe et j'apprécie. Mais le jour où tu commets l'erreur de traverser, on ne va pas te dire. Yongzou, Modestine avait fui. Pourquoi? Celle avec qui tu as fait le clash. Vous avez fait le clash et faux doctorat. Yongzou avait commis l'erreur de venir s'attaquer à Maurice Kamto. J'ai fait un live, pas deux. J'ai dit bien un live. J'ai dit à Yongzou que si elle prononce encore le nom de Maurice Kamto, je viens au Canada, je la tape. Je la pile comme on pile le tarot dans le mortier. Yeah. Elle a arrêté de parler de Maurice Kamto. Je dis que j'ai fait un live. Avant de faire le live, j'avais fait le post. Maman. Où j'ai dit qu'avec ses bras comme le pilon, avec ses mollets comme les bouteilles de gaz, okay. Je l'ai lavé propre. Elle ne savait pas que je connaissais son background. Qu'elle a fait le bois de Boulogne ici. Elle habitait chez Tchatchette. Elle habitait à Paris chez Tchatchette. Elle faisait le bois de Boulogne. Elle ne savait pas que j'avais les infos. Docteur de mes fesses, vos doctorats de Facebook là. Yongzou nous avait dit ici que c'est elle qui a rédigé le programme politique de Maurice Kamto. Elle nous avait dit ça. Qu'elle a un doctorat, c'est elle qui a rédigé le programme politique de Maurice Kamto. J'ai dit à Yongzou. Et elle commençait à être nuisible. Elle commençait à être nuisible. J'ai dit à Yongzou. Moi, je n'ai pas le doctorat. Je n'ai pas moi fait le long crayon. Je n'ai pas moi eu la chance de faire le long crayon. Ce n'est pas parce que j'ai deux licences en sciences que je peux te sortir n'importe où, n'importe quand, obtenu en Angleterre. Je n'ai pas moi le doctorat. Mais j'ai dit à Yongzou. J'avais dit à Yongzou. Un. Une femme qui dit qu'elle est quoi, elle est comme le plantain pilé. Le okay. temps là, Yongzou était comme le plantain ou le ntouba qu'on a mélangé. Elle est partie faire le régime. Deux, elle n'avait pas d'enfant. Moi, j'en ai quatre. J'ai fait quatre couches. J'ai versé le sang quatre fois et je suis debout. Sans être deboutée. Quatre enfants dans ce ventre-ci. Quatre. Et j'ai dit à Yongzou que le jour elle prononce encore, là où elle fait la standardiste au Canada, après avoir été trompée par Amer Kamer, roulée dans la farine par Amer Kamer, une bête chose. Où elle faisait les lives avec Amer Kamer pour insulter les combattants. Je lui ai dit le jour tu prononces encore le nom de Maurice Kamto. Le billet d'avion pour le Canada, c'est pas cher, hein? Je suis à Londres. Hein? En saison morte, je trouve un billet à moins de 200 euros. J'atterris là-bas, je te traque et je te fouette. C'est ça qui est ça.
Elle s'est rangée, elle fait ses folies là maintenant, ça ne nous intéresse plus. Elle ne prononce plus le nom de Maurice Kamto. Donc tout ce qu'elle fait là, ça ne nous intéresse plus. Elle est désactivée. La même chose, j'ai dit à la malame de Facebook, la menteuse, que le jour tu tentes encore de faire un live pour dire comment mon leader est si. Mais pour moi, maïto en est kabat. Maïto en est nion, je te tape comme le serpent et rien ne fait. Et que c'est mal, est-ce que tu appelles malame? J'ai déjà les condamnations partout en Europe. Ma pomo en est kabat, en est dit. Oui, j'ai les condamnations partout. La France m'a interdit le territoire pour 10 ans. La Suisse m'a condamné à 6 mois de prison. J'ai rien à perdre. Je viens, je te tape et on ajoute la peine sur la peine. C'est de ça qu'il est question. Maman, Marlène. Donc, ma chère petite sœur Marlène, puisque tu es ma petite sœur apparemment, ma chère petite sœur Marlène, big up, continue le boulot des dénonciations que tu fais et tu sais là où et comment tu dois te positionner. Tu es très intelligente, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu sais très bien que le jour où tu franchiras la ligne, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Ngana est docteur hein, en littérature. Il est docteur. Quand Ngana soutenait le président Kamto, on l'adulait. Ngana a vendu plus de 20 000, 30 000 t-shirts à Paris en raison de... Il vendait ça à combien là? Les gars, rappelez-moi combien Ngana vendait. 20 euros par t-shirt. On achetait. Et on n'achetait pas parce que ça nous plaisait, on l'achetait parce que c'était un des nôtres. Ngana est parti de la marche du 18 mai à Paris avec plus de 50 000 euros dans son sac. On achetait, on faisait la pub. Mais le jour où Ngana a fait l'erreur, où il a commis l'erreur de comparer Maurice Kamto à son chien, de dénigrer Maurice Kamto, il a lu l'erreur. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Regarde, il fait les posts, il n'y a même pas 20 personnes. Il est fini comme les finitions. Fini comme les funérailles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais juste faire cette petite précision à ma petite sœur, qu'elle ne se perde pas. Elle soutient le régime, on la comprend. Elle dit qu'elle est RDPiste, on la comprend. On n'a aucun problème avec ça. On n'est pas là pour forcer les gens à s'aligner derrière Maurice Kamto. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est des gens qui vont combattre Maurice Kamto. C'est là où les couteaux vont sortir. Satan, toi, va sortir. Et toi-même, tu sais qu'en matière de renseignement, parce que tu dis que tu es dans les quais d'Orsay, oh, tu es dans les ceci, oh, tu es dans les cela. Moi, je ne suis pas moi là-bas. Je ne suis pas là. La France me combat. Mais te dis donc qu'en matière de renseignement, ma petite page que tu vois là, si elle lance le kacham, en moins de 24 heures, j'aurai tout sur toi. Je dis jusqu'au 100 calisson, j'aurai. Là-bas. Ma toute petite page que tu vois là, si je lance l'assaut, si je dis au gars que kacham, en moins de 24 heures, j'aurai tout jusqu'au 100 calisson. Et au passage, avant même que je ne continue, Serge Anango, tu as fricoté avec lui. Hein? Sache donc que Serge Anango était venu partager dans nos groupes de combat tes photos en petite tenue. Attends. Ça, je peux le sortir à tout moment. Et je ne mens pas. Tous ceux qui étaient dans le groupe savent. Je répète, Serge Anango avait sorti des photos de toi. Il est venu partager dans le groupe de combat en petite tenue, Marlène Mvoutou. Il t'appelait à l'époque Marlène la baleine. Ok. Il est là, il est connecté. Son petit frère est là, il est connecté. Marlène la baleine, tu fricotais avec Serge Anango. Tu lui as envoyé tes tenues en sous-vêtements. Serge Anango est venu nous mettre ça dans le groupe de combat. Je les ai dans mon téléphone. Donc, pour te dire que ton combat, tu le mènes, je le comprends. Et je ne vais pas interférer dans ton combat. Mais ne fais pas l'erreur de te perdre. Ça va te coûter trop cher. Ne commets jamais l'erreur de te perdre pour t'attaquer à Maurice Kamto. Ça va te coûter trop cher. Moi, mes photos en maillot de bain sont déjà dans la toile. Mais toi, si je sors pour toi, tout ce que tu racontes là, que tu es une femme digne, tu es une femme ceci. Azamba. C'est Serge
Chanango qui était venu mettre dans le groupe de combat. Hein. C'est Serge Chanango qui avait mis dans le groupe de combat. À l'époque, tu fricotais avec lui. Oui, il t'appelait Marlène la baleine. Donc, je les ai, juste comme ça au passage, pour te signaler que je les ai. Donc, on se tient en respect là, hein, d'accord? On se tient en respect. Il n'y a pas de souci. Tu es ma petite sœur, tu fais un bon boulot et j'apprécie ce que tu fais. Mais c'était juste comme ça, une petite mise en garde. Ne t'égare pas, ne t'égare jamais, chérie, ne t'égare pas. Parce que si tu t'égares, on va traiter ton foco propre. Mais alors propre. Et c'est pas qu'une photo hein, que Serge Anango nous avait mise. Toi-même, en ton âme et conscience, tu connais ce que tu avais envoyé à Serge Anango. Sache donc que nous... Voilà. C'est ce que juste ce que je voulais que vous voyez. Attendez, j'essaie de lire les commentaires. On dit quoi? Que c'est la peur, quoi. Quoi tu n'as pas? Kassam Khan, bébé, donc, était au pouvoir. Oh, comment tu étais déguisé derrière? La dernière fois dans ton propre pays, au conseil de grâce des cas, chienne Sandy. Allez, ici là, on n'insulte pas quand je ne veux pas. Je te bloque. Voilà, comme ça, c'est vite réglé. Voilà, réussite divine, qu'un vous te réponde, on voit. Sandy va venir la tabasser, est-ce qu'elle ignore Sandy? Tout ce que vous voyez là, c'est qu'on dit à Marlène que ce qu'on est en train de lui dire qu'elle reste dans. Hey, maman. Maman. C'est quoi ça? J'ai aussi écouté Bertie le Camille. Marlène, tu croyais que les gens étaient bêtes? Attends, je vais vous faire écouter Bertie. Vous croyez que les gens étaient bêtes? Mon enfant a 18 ans. Notre maman chérie. Attends. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était dans la main. Attendez. Vous recherchez une... C'est une référence. Attends. Maman, toi qui es là. Attendez. Il n'y a rien. Attendez. On va écouter. Comment on écrit même Bertie le Camille, tellement je ne les connais même pas. J'ai écouté Bertie là, c'est pas la joie. Hein? Rien de plus beau. Bertie a dit qu'il ne faut même pas un peu faire confiance à Mvoutou. Mvoutou, comme je t'ai dit depuis le début, tu as été, je ne sais même pas là où les gens voient ton intelligence. Tu es tellement bête. Tu es tellement bête parce que normalement, tu aurais pu ouvrir ton parti politique. Parce que tu vas te faire ridiculiser partout. Les femmes qui ont combattu pour Maurice Kamto pendant des années ne vont jamais te laisser la place. Si toi, tu es plus forte qu'elles, elles vont t'écraser. Elles vont te broyer. Mais je m'en fous. Tu aurais pu réfléchir autrement. Tu as compris. Moi, je vais aller faire mes boulettes de viande à la sauce tomate et les linguines, les pâtes italiennes. Découvrez-nous. Donc, je te souhaite bonne chance. Dans un monde très, très bonne chance, Marlène et Mvoutou. Parce qu'avec ta grande gueule, Sandy va venir te... On va seulement... Hello. On va bonjour, venir nous dire ici. Ça va venir nous trouver ici. Ça va venir nous trouver ici. Waouh, Edi. Ça va venir nous trouver ici parce qu'on va te... La grande gueule que tu fais là, on va te taper. Donc, on a dit que au Calga, que tu fasses attention.
On a dit de faire attention, sinon ça va jaser sur toi. Moi, je t'avais dit, moi, je vous avais dit que Maurice Kamto lui-même ne gère plus son parti. Il a formé les bulldozers, il a formé les maquisards, il a formé les agresseurs. Voilà. Donc, elle est payée par cette dame. Juste à Malène dit que les gens ne savaient pas qu'elle était la fille de Mendoza et que sur ton acte de mariage, c'est père inconnu. Ta mère a été incapable de te faire reconnaître par ton père? Tu n'as même pas honte. Ton acte de naissance, c'est pire et c'est père inconnu. Tu connais ton père et tu es incapable. Même quand tu étais déjà avec ton père, la seule chose quand même était d'insister, d'imposer qu'il te reconnaisse. Qu'il fasse une reconnaissance, que tu portes son nom. Parce que même au deuil, on ne t'a pas donné le micro. Tu ne t'es même pas parmi ses enfants. Et pourtant, si ton père t'avait reconnu, tu allais avoir ton mot à dire à son deuil. C'est sur Facebook aujourd'hui que tu viens déclarer que Mendoza était ton père. Tout ton village le sait parce qu'on dit que ta mère a fait les enfants avec beaucoup d'hommes. Toi, tu aurais pu quand même, avec ton intelligence que tu brandis partout, vivre, une vieille femme vivre comme ça, que tu connais ton père sans insister qu'il te reconnaisse, c'est quand même c'est bizarre, ton intelligence là c'est seulement pour Facebook. Ton intelligence là ce n'est pas pour ta vie, hein, parce que moi, si on me dit que voici mon père et que ma mère ne l'a pas épousé, tu vas seulement me reconnaître. Tu aurais pu imposer un ADN, hein. Si c'est compliqué, tu imposais un ADN, tu déposais une plainte, on faisait l'ADN pour pouvoir porter le nom de ton père. Hein? Toi, ton intelligence, c'est seulement sur Facebook. Tu n'as aucune intelligence pour ta propre vie. Hein? Quand on voit même la manière à laquelle tu as fait des enfants, c'est pas digne d'une femme intelligente. Hein? Tu fais un enfant, premier enfant, l'homme te laisse tomber. Deuxième enfant, l'homme te laisse tomber. Troisième enfant, quand même, essaye de faire attention. Troisième encore, l'homme te fait tomber. Quatrième encore, l'homme te fait tomber. C'est cinquième encore que tu t'imposes, tu te bats à faire un acte de mariage pour pouvoir avoir les papiers. Donc, en conclusion, tu n'es pas intelligente. Hein? Parce que si moi, on dit que je suis intelligente, on doit voir déjà ça dans ma propre vie privée. Hein? Ma vie privée doit dégager mon intelligence. C'est ça. Tu es contente quand les gens te disent que tu es intelligente. Quelle femme peut être intelligente? On peut dire, comment on peut qualifier une femme d'intelligente qui n'a la maîtrise d'aucun père, papa de ses enfants? Les enfants grandissent comme ça, à gauche, à droite et tout, et leurs pères ont des vies bien peut-être rangées et tout et tout. Toi, tu es là, tu es même intelligente par rapport à quoi? Tu n'es pas intelligente. Tout ce que tu vomis sur Facebook, ça prouve que tu n'es pas intelligente. Tu as le doctorat, tu déclares avoir le doctorat entre nous. Tu déclares avoir le doctorat, si tu étais intelligente, ce doctorat t'aurait servi quand même à quelque chose. Hein? Aujourd'hui, maintenant que tu deviens clasheuse, tout le monde, toute la base t'applaudit. Les gens qui sont contre le régime t'applaudissent. Voilà Sandy de Boston qui dit que tu mettes dans la tête que tous ceux qui t'applaudissent, ce sont ces gens. C'est son armée. Donc, tout ce qui t'applaudit ne t'appartient pas. C'est ça, c'est l'armée de Sandy. Hein? Comment est-ce que tu peux être une femme intelligente et tu as le doctorat qui ne te sert à rien? Dis-nous un peu. Tu as un doctorat dans ta valise qui ne te sert à rien. Tu es incapable de te loger. Tu es incapable de te nourrir. Tu es incapable de donner une vie ordonnée à tes enfants.
Et quand tu parles, les gens t'applaudissent, on dit que tu es intelligente. L'intelligence commence dans ta vie privée, dans ta vie de la maison, que tu te lèves comme ça, tu réunis tes enfants, on voit comment est-ce que tu leur donnes un exemple de vie, comment tu les éduques, comment ils grandissent ensemble, comment ils grandissent tous dans la même maison en harmonie et qui se partagent la chaleur humaine pour avoir de l'amour entre eux. Hein? Ton intelligence, là, t'a servi à quoi? À rien. Après, on va dire que tu es intellectuel. Intellectuel avait une vie de zéro. Intellectuel sans vie. Une grosse intellectuelle qui finit avec un petit blanc qui est dans une entreprise privée, technicien d'une petite entreprise privée. Tu peux vraiment nous dire à quoi t'a servi ton intelligence? Maintenant, on nous dit là que il y a tes photos, il y a ta nudité à la base. Hein? Tu as donné tes chemises, tu as donné tes photos en petite tenue à Serge Anango. Regarde ta part que tu as choisie sur Facebook, Mbuto. Sa part que tu as choisie sur Facebook, c'est Serge Anango. On dit que les photos sont là. Que tu essayes, on te verse ça, on finit avec toi. Et les gens continuent à croire à ton... Je suis la seule qui ne croira jamais à ton intelligence. La seule qui ne croira jamais à ton intelligence, c'est moi. Regarde le gars que toi tu choisis sur Facebook. Quelqu'un qui insulte tout le monde. Il insulte les femmes. Il insulte les gros culs des mamans. Il insulte... C'est ta part d'homme que tu as choisi jusqu'à lui envoyer les photos. T'es nude. Et on dit que tu es intelligente. Arrête. Que les gens arrêtent. Que les gens arrêtent. Ton intelligence, là, je ne vois pas là où les gens voient l'intelligence. Parce que dans toute ta vie en général, tu as loupé. Parce que si tu as pu envoyer tes photos nues à Serge Anango, c'est que tu étais... Mais parce que tu as connu Serge Anango quand tu venais de te marier, on t'a vu sur Facebook. C'est que ma soeur, c'est que tu as... Oh là là. C'est que étant même mariée à ce bouffon-là, tu étais en jachère. Et ça rejoint ce que Stella Amougoua dit. Que là où tu es là, et ce que Marthe Chopin a dit, que tu es en jachère, que quand elle-même voit ton mari, il ne peut rien te faire. Voilà pourquoi tu as trouvé que Serge Anango, parce que tu voyais qu'il sortait avec une fille intelligente qui est Stella, qui est Sheila. Non, c'est Sheila ou Stella. Stella, oui. La fille intelligente là, la copine de Serge Anango, qui te clashait matin, midi, soir, qui t'avait mis à ta place. Tu as vu qu'il fallait aller arracher son gars. Tu lui as envoyé les photos. Voilà alors la femme intelligente qu'on dit que les gens sont jaloux d'elle. Elle met les gens au pas. Tu mets les gens au pas avec quoi? Avec quoi? Tu mets les gens au pas. Voilà Sandy de Boston qui dit que si tu fais l'erreur, elle va t'écraser comme l'arachide grillée. Malène Mboutou, je t'ai dit, tu te lèves. Tu t'attaques à une personne comme moi qui ne t'ai rien fait, je ne te connais même pas. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce n'est que le début de tes déboires. Je pense que tu réalises les couleurs de la base. Parce que, comment on l'appelle? Camille, si c'est Camille, je ne connais pas les noms des gars de la base. Celui qui a le gros nez là, qui écrit les livres. Bertie le Camille, il a dit qu'il ne te fait pas confiance. Mais qui t'a appelé pour te féliciter parce que tu dénonces. Et il t'a fait comprendre aussi que ce que tu dénonces, que tu ne crois pas que c'est quelque chose de nouveau. C'est ce que eux, ils dénoncent déjà depuis. Donc, tu vois, dans tout ça, il n'y a personne qui... Tu vois, ça ne t'a rien apporté du tout. Tout ce que tu es en train de faire. On dit que tu n'as apporté rien du tout. Moi, je ne vois pas ce que tu as fait de ta vie. Je ne vois pas. Mais c'est ça. Elle a dit ça. Vous avez bien écouté tout à l'heure. Elle a dit que tu as donné, que Mvuto a donné ses photos nues à Serge Anango. Serge Anango a mis dans le groupe. Toutes ont ces photos-là.
Bonjour, madame, j'appuie. Je livre les poulets bio à Yaoundé. Ah bon? Tu livres les poulets bio à Yaoundé? Oh là là! Pourquoi tu ne m'as... Oh, je venais de... J'ai pris 40 poulets hier pour un deuil. Et les poulets coupés, c'est les poulets de combien de kilos? Séraphine. Parce que moi, je ne mange pas, je ne prends pas les petits poulets. C'est les poulets de combien de kilos? Essaye de me répondre. C'est les poulets de combien de kilos et tu les vends à combien? Parce que je livre les poulets quelque part, j'offre les poulets quelque part tous les 3 jours pour le deuil, pour un deuil. Si les tiens sont gros, mieux vendus, la prochaine livraison, je prends chez toi. Vous savez que moi, je suis là, j'encourage, hein? Moi, je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Essaye de m'écrire inbox. Réussite divine, tu crois qu'un Mvoutou va répondre à quoi? Un Mvoutou, c'est que si elle déborde un peu avec Sandy, Sandy va la taper. Sandy va venir la taper en France. Est-ce que Sandy a un problème? Elle a dit que condamnation sur condamnation, dès qu'elle finit de te taper, on la condamne à quoi elle s'en fout. Vous avez déjà vu une femme qui. vous avez déjà vu une femme qui réagit comme ça? Vous avez déjà vu? Bertil Okami a dit qu'ils ne peuvent pas faire confiance à Mvoutou. Et qu'il a quand même appelé pour la féliciter. Il n'y a que la base qui appelle Mvoutou. Mvoutou, il n'y a que la base qui t'appelle. Tu croyais qu'en m'attaquant, tu as vu tout ce que ça a entraîné, non? Je t'ai dit que nous, les Bamoun, on a un mauvais sang. Tu croyais en m'attaquant que ça allait se passer simplement. Tu as vu tout le scandale que ça. Mvoutou, à un moment, tu n'auras pas où sortir la tête. Tu n'auras pas où poser la tête. Moi, je te dis, ça n'a pas encore commencé. Tu n'auras pas où poser ta tête. Je te dis. Ah, merde. J'ai dit que le combat est resté pour toi et moi 2 places. La vengeance, c'est toi et moi. Parce que c'est moi que tu as attaqué. À un moment, tu vas chercher où mettre la tête. Tu ne vas pas trouver. Comme tu as dit que le professeur Maurice Kamto a eu les élections. Je ne sais même pas où tu vas aller avec ta politique, là, rien que sur Facebook. Pendant que nous, on va monter, descendre sur le terrain, combattre et débattre. Tu seras où? Tu seras sur Facebook? N'importe quoi. Il y a une là qui a dit qu'elle livre les poulets. Bon, si tu veux, tu m'écris inbox. Si tu veux, tu réponds ici pour que les followers puissent aussi voir que tu as les poulets à Yaoundé et tout. Tu as compris? J'ai déjà demandé, il pèse combien de kilos et de glossy. Tu dis que c'est faux, donc ça veut dire que je vais te bloquer. Qui a dit que qui t'a dit de dire que c'est faux? Moi, je te bloque, hein? Moi, je blague pas. Voilà. Laissez les histoires. Tu vas voir comment ce qu'on appelle histoire. Peut-être. Allez, tu dégages. C'est tout. Vous savez que moi, je vous ai dit, j'ai 3 000 personnes qui attendent. 3 000 personnes qui attendent. Donc, quand je te bloque, je te supprime en même temps. C'est tout. Benguiste qui est rentré. Ah bon? C'était qui? Je supprime tous les titres de machin de cette fille-là, de ce gars-là. Donc, je voulais tout simplement que vous suiviez ce live. Je vous aime très, très fort. Moi, je vais vaquer à mes occupations parce que, je vous ai dit, je suis déjà en train de me. Je me prépare pour mon voyage et tout. Donc, je vais à l'émier migration. Je vais déjà aller mettre l'immigration pour aller chercher mon laissez-passer. Voilà. Voilà. Allez, gros bisous à vous. Hein. Je vous aime très très fort.
Tout ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Ça va venir nous trouver ici sur la toile. Il est déjà 8 heures. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Bisous à vous. Partagez le direct et puis on verra. Ça viendra nous trouver ici. Chez nous, un proverbe dit que le doigt est tellement allé dans la nuque que ça a ramené les caca. C'est ce qui va arriver à un vautou. Un vautou. Elle aura beaucoup cherché, 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 ça va ramener les caca. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui va la trouver ici. Elle s'est attaquée à l'inattaqué. Mon sang est amer. Allez, bisous à vous, je vais me lever. J'ai beaucoup de choses à faire.